Est-ce qu'on joue la nouvelle classe? Ah non, vous allez encore en comprendre là. Les histoires de runes. Alors oui, en fait, il y a des cartes qui ont des runes dessus. On peut avoir 3 runes maximum, tu vois. Et genre, il y a des cartes qui ont plusieurs runes. Par exemple, avec une rune rouge, une rune bleue, une rune verte, je peux pas jouer les cartes avec 2 runes rouges, tu vois. Hein? Ou alors les cartes avec 2 runes vertes. Et après, il y a toujours des cartes qui ont carrément 3 runes, hein, comme ça. Ou alors des cartes qui ont des runes de différentes couleurs. Hein, comme celle-ci. Après, il y a des cartes. Elle, de base, elle avait différentes couleurs, mais elle a été up. N'empêche, il n'y a plus beaucoup de cartes avec différentes runes dessus. Mais il y en aura dans la prochaine extension, mais. Et du coup, vu qu'ici, je joue un truc avec 3 runes, tu vois. Je suis un peu limité, j'ai pas accès aux giga cartes broken, hein. Parce que genre, y a sinon, genre si on joue 3 bleus, tu peux avoir accès à ça, ou 3 rouges, tu peux avoir accès à ça, hein. C'est qui ont vraiment des effets dévastateurs. Mais, bon. On a ce spell là. Ah oui, en plus, expliquer les corps. Ah là là. Ça va, c'est pas trop le bordel. Oui, mais alors, en fait, c'est une spécialité de ce dieu, de cette classe-là, hein, qui est pas sur les autres classes, mais en gros, quand tes serviteurs meurent, tu obtiens un corps. Et après, il y a certaines cartes qui vont du coup dépenser des corps pour activer des effets. Je prends l'exemple de elle, hein, qui à la fin du tour, tu dépenses 4 corps pour invoquer une copie de lui-même, hein. Et cette carte-là s'améliore à chaque fois que tu dépenses un corps. Voilà. Non mais c'est bien ce deck-là parce que franchement, tu vois, pour les nouveaux joueurs ou pour ceux qui reviennent après un long moment de pause, c'est facile à comprendre et à dire, ok, là je suis bien dans le jeu, tu vois. Une nouvelle classe avec des nouvelles cartes, avec une nouvelle mécanique, plus une mécanique de runes, hein. Parfait. Oh, c'est pas le meilleur deck, mais c'est un deck que j'aime bien, qui peut quand même choper des victoires. Contre druide, druide ça peut être quoi? Il y a les druides combo, du coup généralement c'est druide quête ou druide PH qui va se baser sur je t'attaque avec ma tête, hein. Le soin peut être cool après Death Strike, le truc c'est qu'il faut cibler une créa. On aimerait bien avoir des créas du coup pour aller taper, qu'importe le druide. Je pense que je vais faire ceci. C'est pas une classe de base ça. Je savais pas qu'elle est. Ah, c'est une nouvelle classe, parce que tu vois, le truc c'est que de base, SO est tiré de WoW, hein. Du coup, dans WoW, de temps en temps, tu vois, avec les mises à jour, des choses comme ça, il y a des nouvelles classes qui arrivent, hein. Par exemple, le Chevalier de Mort qui est arrivé durant WotLK. Bon, j'ai pas la date, mais. Ça fait que SO de base avait pris les 9 classes de base de WoW. Mais. Entre-temps, il y a par exemple Death Knight, Chevalier de la Mort, qui est arrivé sur WoW. Il y a Chasseur de Démons qui est arrivé sur WoW aussi, avec Légion. Et alors, ces classes-là ont aussi été ajoutées sur Hearthstone. Du coup, dans un certain sens, c'est pas une classe de base. Après, bon, en soi, maintenant, tu vois. ça reste une classe, quoi, comme les autres. Ah mais ça c'est parce que j'ai un skin de pièce. Elle est pas jolie. Ouais maintenant même tes pièces peuvent avoir des skins, hein. Du coup lui il prend une photo, hein, de ta mort. Du coup pour 2 mana, si je joue le spell, j'obtiens toutes les cartes qui étaient présentes dans ma main. Enfin une copie de toutes les cartes. Ouais il me donne des manas, c'est pas mal. Ah bah tiens. Est-ce que je ne jouerais pas le Bran? Hop là. Ah oui, lui, en fait, durant la création de deck, hein, je mets 3 cartes en dehors de mon deck que je peux récupérer avec son effet, tu vois. Aïe aïe aïe. Faut suivre, hein. Du coup, bon, là je récupère ces deux-là.
J'aime bien expliquer parce que vraiment c'est bordel. Hein. Ah bah je pense qu'il va chialer quand je vais buter Anus. Bon j'ai deux cartes de sa main. Oh le petit Maligos. Oh let's go. Oh et le Thaddeus. Oh let's go, je l'ai baissé. Et voilà, lui il mange deux cartes de la main adverse. Posez pas de questions, il est là, il se nourrit, tu vois. Ah t'as une créature dans ta main, ok je la mange et je gagne ses stats. Non. Aïe 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 aïe. Je le plaindrai presque. Ça me donne pas l'étal. Bah oui. Oh ça c'était encore meilleur que ce que je pensais. Hein. Ah oui, mais d'ailleurs même le système de rang il a changé alors. Oui maintenant tu vois les rangs. Ça va être on va dire peut-être comme dans des jeux plus classiques. Hein. Genre t'as bronze de A de 10 à 1. Argent 10 à 1, or 10 à 1, platine 10 à 1, diamant 10 à 1, puis t'as le rang légende. On dirait mon petit frère qui invente les règles au fur et à mesure. Mon dieu, la différence. Ah oui, le jeu il a pas mal changé. Hein. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de joueurs en wild, hein, je pense. De plus en plus de nostalgiques. Après, moi je joue en wild pour jouer les vieilles cartes comme Bran. Avec des nouvelles cartes pour faire des jolis combos. C'est ça qui me fait plaisir. Ça c'est... Ah oui, t'entends, t'as une chance sur je ne sais pas combien d'avoir une anomalie qui va un peu changer les règles du jeu en ajoutant quelque chose à la partie. Ah oui, c'est vraiment genre ils inventent les règles au fur et à mesure. Hein. À la fin du tour de chaque player, tu dois dans... Ah oui, c'est fortification. Côte Pala, est-ce que je garde tes hauteurs? Je ne pense pas. Ah oui, cette carte-là qui permet d'avoir 40 cartes dans mon deck. Quitte à modifier les decks, autant y aller à fond. Et qui permet de commencer à 35 HP aussi. Hein. Du coup, logiquement, je joue avec, du coup, 43 cartes. En comptant, du coup, les 3 cartes de ETC, hein. Non, mais tranquille, ça va. C'est clairement les règles de mon petit frère, quoi. Bah, c'est un moment, tu vois, toujours chercher à développer le jeu, à créer une nouveauté, à rendre quelque chose d'original. Je crois que t'es obligé de modifier un peu des règles. Ah, tu vois. Je vais me dire, non, en fait, Yu-Gi-Oh a plutôt bien réussi sans modifier des règles. Hein, mais... Ah non, n'empêche, à chaque fois, il rajoute aussi... oh tiens, on va rajouter les cartes pendules. Du coup, non, ça fonctionne pas pour Yu-Gi-Oh. Magic, je pense qu'ils modifient pas trop leurs règles. Ils rajoutent des mots-clés, mais bon, ça, c'est comme Yu-Gi-Oh. Ça va. Eh, Magic est un bon exemple, tiens. Je sais quoi, j'invoque... la Vulpérine, je pense. Deathstrike peut être très intéressant. Tomb Guardian aussi. Deathstrike, ça permet de me heal, c'est ça qui est cool. Tomb Guardian, ça fait quand même beaucoup de défense. Et ça permet de dépenser des corps pour mon spell. Ça fait aussi une créa, du coup ça profite de l'effet fortification.
Mon idée c'est de obliterate ici. Détruire une créa plus 3 dégâts héros. Le petit un HP il peut pas mourir. Oh j'ai Icy Touch. Qui peut buter là. Pas mal. Obliterate ça donne un stack de plus sur ça parce qu'en fait ça, à chaque fois que mes PV changent durant le tour, du coup soit je me blesse, soit je me soigne. Hein. Oral d'Agonie ça invoque une créature. Et la créature gagne plus en plus 1, tu vois. Du coup, Obliterate qui détruit un minion et m'inflige 3 dégâts, ça permet de donner un stack de plus sur mon arme. Mais bon. Après, là, le truc, c'est que c'est un paladin, il peut avoir des grosses créatures. Du coup, je préfère garder mon Obliterate pour plus tard. Autant utiliser mon petit burst. Allez, tuer sa créa. Ça qui aura qu'à lire de vie. Le jeu de face. Là, je peux péter sa créa. Il n'y a pas forcément besoin de faire des trades. Hein. Ça c'est relou parce que quand il attaque, ça change en 3-3. C'est intéressant pour aller tuer les grosses créatures, tu vois. Genre imaginons j'ai une 10-10. Hop là, il attaque, la 10-10 se transforme en 3-3 et il la tue. Mais par contre, sur des créas qui sont 2-2, juste tu te prends des dégâts en plus. Après, j'ai ça. Lui, à la fin du tour, il attaque les adversaires au PV les plus bas. Du coup, bab, ça met des dégâts, ça, il me soigne parce qu'il a lifesteal. il joue une version pure paladin, mais... Et vous voyez la version pure paladin que j'avais joué avant là, hein, jouait beaucoup de petites créatures justement pour un peu empêcher les sorties comme ça et se faire stomper. Voilà, dans tous les cas, j'ai le létal. Hein. Bah autant regarder les cartes qu'il a dans sa main. Là en fait je regarde, hein, je choisis une carte de sa main, j'ai le choix entre trois cartes de ma main, j'en choisis une, on échange. Et là lui il va attaquer l'adversaire au PV les plus bas. Paf. C'est le létal. Et le nombre de légendaires dans un deck, j'en reviens pas. Ah ça. En standard, il y a quand même beaucoup moins de légendaires. Hein. Parce que bon, en standard, déjà, il y a beaucoup moins de cartes hein, qu'en wild. En wild, il y a tous les cartes depuis le début du jeu. En standard, c'est seulement les deux dernières années. Et aussi, là où en wild, tu vois, t'as énormément de cartes neutres plus de classes. Hein. En standard, t'en as beaucoup moins et t'en as aussi beaucoup moins qui rentrent dans le deck. Hein. Et là, vu que je joue un deck en fait qui est basé sur le 5 glouton, du coup, le fait que je n'ai pas de carte en double pour profiter des effets comme Reno Jackson ou Zephyrs, qui font que si j'ai pas de carte en double dans mon deck, là, c'est je rends tous les points de vie à mon héros. Ça, c'est je permets de découvrir une carte qui me fait gagner la partie généralement. Ah, Zephyr c'est un peu compliqué aussi, mais tranquille. Du coup, ça fait que je joue beaucoup de légendaires parce qu'il faut remplir le deck. Hein, et que les légendaires sont généralement plus fortes que le reste. Par exemple, si je jouais des cartes en double, il y aurait certaines cartes qu'on ne verrait pas comme Icy Touch. Mais il y aura aussi sûrement des légendaires qui partiront. Je pense... potentiellement Zola ou Fizzle. Bah déjà Reno et Reno Alex ou Zephyrs hein. Vraiment relou par contre là ce qui me fait. Je joue contre un guerrier aggro. Un guerrier aggro qui n'est pas pirate, c'est assez étonnant. Et du coup ouais blessure comme ça. Ouais, je vais développer ça. Ah oui, il y a un nouveau genre de carte, hein, les emplacements. Tu les poses sur le terrain. Tu peux activer leur effet durant ton tour. Et tu vois, après, l'emplacement va se fermer. Et dans deux tours, il va se rouvrir. Ah. C'est... Ouais.
Toujours là pour que tu puisses vraiment bien en suivre et comprendre l'évolution du jeu. Je pense que je vais prendre Brainfang dans ce match-up. Ah oui, c'est pas ça, c'est parce que j'ai un skin légendaire, parce que je suis un pigeon. Oh, comme ça il est animé et par exemple si je dis bonjour, tu vois, il s'abaisse comme ça. Et du coup, il y a aussi un cadre joli, tu vois. C'est... Ouais, voilà, fais pas trop gaffe, hein. Merde, j'aurais dû trade lui avant. My bad. Je pense que je vais garder Obliterate en main. Je peux proc le... proc le Mosh Pit, mais je pense pas que je vais le faire. Je vais rester ainsi. J'ai pas envie d'Obliterate là-dessus, sachant qu'il aura potentiellement des grosses créas. Cette arme elle est chiante parce que ça va booster ces créatures qui sont blessées. Hop là, comme ceci. Double trade là-dessus. Oh, ça c'est cool. Il doit sûrement pas s'y attendre, mais ça permet de trade ça. Hop là. Lui, ruée, du coup je peux attaquer immédiatement seulement les serviteurs comparé à Charge qui peut attaquer les héros, hein. Et en fait et il attaque aussi les serviteurs adjacents, hein. Tu vois, genre là je tape un serviteur et ils vont aussi infliger les dégâts aux serviteurs adjacents. Et du coup voilà, c'est cool, ça me soigne, ça tue plusieurs créas. Ça peut être lourd. On va voir s'il est contre spell ou cra. Est-ce que je casse un obliterate avant? Je pense que je vais commencer par faire obliterate. Ouais non, c'est ça. Il empêche... les créas de mourir. Du coup moi je vais faire ceci. Hop là. Lui il donne aux invocations adverses un Ral d'Agonie, invoque un 2-2 avec taunt à ton, chez ton adversaire, hein. C'est franchement pas mal pour gérer les trucs qui vont mettre plusieurs créas. Ouais, franchement, mon Hollowhound qui a fait un très gros taf. Et en plus, comme il a lien de vie, il me rend à chaque fois mes points de vie. C'est vraiment cool. Oh, un Nelly. Ouais, les colossaux, en gros, ils vont invoquer une autre créature quand ils arrivent en jeu. Et après, bon, ils ont potentiellement d'autres effets. Du coup là c'est tu découvres 3 pirates, hein. Et lui en Ral d'Agonie, il te donne les pirates que t'as découvert avec Nelly. Toujours pour faire des effets simples, là. Hop là, je trade, ça permet de buter ça, mais lui il va revenir. Hop là, ça me permet de rebuter, de taper. Ah, je pense que je peux développer mon horreur, hein. Hop là, le truc c'est que là ça va stacker. Du coup à chaque fois que je dépense sur des cadavres, que ce soit avec l'effet par exemple de la carte que j'avais joué ici qui dépensait 3 cadavres pour donner un serviteur reborn. Du coup, quand il meurt, il revient avec un point de vie, hein. Ou alors lui, qui à la fin du tour dépense 4 cadavres. Ça va booster cette carte. Le boost, c'est soit plus 1 dégât,
soit invoque une créature de plus, soit les créatures ont plus 1 attaque, soit les créatures ont plus 1 PV. Vous voyez? Du coup, là, j'ai donné 10 boosts, hein. Et du coup, ça s'est augmenté de... C'est combien de dégâts à la base? À la base, c'est 5 dégâts et 2, 1, 1. Du coup, là, c'est 4 boosts sont partis dans les dégâts. 2 boosts dans le nombre d'invocations invoquées. Et ensuite, les 4 derniers boosts, il y en a 3 dans les points de vie et 1 dans les points d'attaque. Bref. Ça peut être un bon finish, tu vois. Genre, infliger beaucoup de dégâts, mettre un terrain. Et il va blesser lui ou... Ouais, il va tuer ça. Franchement... Je ferais bien un truc comme ceci. Vous voyez là, ça va tuer ces créatures. Je vais enchaîner avec elle, faire upgrade, upgrade. Du coup, bon, elle, elle a colossale et elle va invoquer du coup deux petites ailes, hein, quand elle arrive en jeu. Et quand elle a un effet, du coup, quoi, serviteur adverse est gelé, il est détruit. Les petites ailes ont rué, du coup, peuvent attaquer immédiatement les serviteurs et ils blessent, enfin, et gèlent les serviteurs qui sont blessés par eux. Du coup, en gros, c'est si je blesse deux serviteurs avec elle, tu vois, j'invoque, je blesse deux serviteurs, ils sont gelés et après ils sont détruits. Ouais, Tony qui a été nerf parce qu'il était vraiment trop fort avant. Là, c'est bon, il est acceptable. Là, juste, j'ai trop de board et j'ai le spell là qui le finit. Hein. Pouvoir du métal. Et voilà. Oui, clairement trop fort. Alors, après, depuis Mecha et Gnome, hein, la force des cartes, elle a un peu augmenté. Rien qu'un peu. Oh, Zephyrs, on l'a en bas, trop bien. Ah, comme ça, je vais pouvoir vous montrer Zephyrs. Trop cool. Non, parce que Zephyrs, c'est compliqué à expliquer. Hein. Quand t'as pas de carte en double dans ton deck, tu souhaites la carte parfaite. Ça veut dire quoi, ça? Mais justement, on va pouvoir le voir. Franchement, ça passe, une nouvelle carte. Ouais, ça passe. Ah, y a eu pire, on va dire ça, quoi. Hein, Bon, c'est pas comme si, par exemple, bon, elle a été nerf maintenant, mais c'est pas comme si l'année dernière, il y avait une carte qui rendait toutes tes invocations invulnérables. Bon, il détruisait ton deck. Il détruisait ton deck pour rendre toutes tes créatures invulnérables jusqu'à la fin de la partie, mais... Quand même, quoi, hein, rend toutes tes créatures invulnérables. C'était assez fort. Est-ce que je la joue maintenant? Je ne pense pas. Je vais garder le rouge et fils. Et dire que des gens ont trouvé lâcher les chiens ou les gens le lavent trop fort. Ah, c'est une histoire de contexte. Hein. J'en lave toujours joué dans des démonistes. Hein. Ça va dépendre des démonistes, mais... Lâchez les chiens. Oh, dans les chasseurs, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué à jouer maintenant. Mais bon, avec Leroy, c'est toujours cool. Du coup, ça...
pense que je fais le petit blast et je développe le torpide. Ah, Tom Guardian, c'est vraiment cool ça. Bon, il fait beaucoup d'armure. Est-ce que c'est un deck basé sur l'armure? Ah, c'est un peu relou, mais bon. Soit on va l'accepter. Par contre, vu que j'ai la toxique, là je peux buter sa créa. De manière assez tranquille. Ouais, je vais découvrir une carte. Hein. Cette explosion, c'est vraiment pas mal. Bon, malheureusement, j'ai un tour assez vide. Parce que je n'ai pas assez de cadavres pour jouer des cartes comme Tom Guardian ou comme l'Aurore. Mais bon. Bah lui il a ça. Alors s'il prend une arme à 10, voilà, faut pas. Faudrait pas s'étonner un peu de la puissance, mais. C'est après une arme à 5 ça devrait encore aller. Après je les ai pris, ce qui est très bien. Mais bon là je vais pièce patchwork. Je détruis une invocation adverse aléatoire. Je retire une carte de sa main et une carte de son deck. La Mutanus et Astalor sont vraiment deux très bonnes cartes à avoir retirées. Oula, Iron Juggernaut. Tiens, ça c'est une carte que tu dois connaître. Hein. Bon, elle a été buff. Maintenant, quand elle meurt, elle ajoute aussi une mine. Qui met 10 dégâts quand tu la pioches. Mais bon. C'est le prix de la nouveauté, tu vois, c'est... Ziliax qui part. Ok, bon, Ziliax, c'est pas ouf dans ce match-up, mais... Je mange vraiment toutes ces cartes, hein, par contre. Oh, pas mal ce qui nous a fait, là. Astalor, c'est cool. Ça me permet d'enchaîner. Je peux faire ceci et hop là. Ouh. Ah, j'ai perdu le bon spell. Ouf. Le spell ça aurait été un peu plus chiant. Là j'ai pris le trade. Oh mais ça croque pas à cause de la mine. À cause de la mine j'ai une carte en double dans mon deck. Et du coup elle fonctionne pas. Non, il m'a contré. Et du coup mon Zephyr qui ne fonctionne pas non plus. Oh non non. Oh là ça fait mal. En fait là piocher la mine, même si je me prends 10 dégâts, c'est un avantage pour moi quoi. Il va sortir l'arme à 10. L'arme à 10. Ouais, 5-6, Will Fury. Après que ton héros attaque, tu gagnes 8 points d'armure. Non mais tranquille. Genre il met juste 10 dégâts par tour. Et il gagne 16 d'armure. Ça va, on a connu pire. Ouais, je vais jouer à cet alors. Hein. Bon, l'idée c'est de mettre des grosses créas, de lui mettre des dégâts. Je veux pas que ça dure trop hein, la game. Parce que là en fait je peux pas prendre Zephyrs, du coup j'ai pas de quoi casser son arme à cause de la putain de mine. Parce que Zephyrs il permet de découvrir une carte parfaite, mais là ça m'aurait permis par exemple de découvrir le petit Lumon qui en cri de guerre détruit une arme. Détruit l'arme adverse. Oh la 8-8 qui reste. Non, c'est pas la 8-8 qui est restée. N'empêche, s'il fait des trades là, ça m'arrange. Hein. C'est moins de dégâts qui partent sur ma face. Ouais, baston, ça tu connais. Oh, c'est bien. J'ai pas besoin d'expliquer. Ouais, par contre, il envoie vraiment 10 dégâts. À chaque tour, il envoie 10 dégâts dans des petites créas. Moi, ça me fait quand même plaisir. Hein. Oh, vraiment pas mal ça. Enfin, vous allez voir. Je pense que je vais prendre ceci. Bon, il va soigner de 3 PV, mais... Hop là, je fais ça.
Ils vont se réinvoquer. En plus, ils regagnent leur, leur reborn en se réinvoquant. C'est en fait, je choisis un serviteur adverse et tous mes serviteurs à l'attaque et ceux qui sont morts sont réinvoqués. Vous voyez ? Du coup, genre là, son tour il a passé à trade, il a servi à rien parce qu'en fait tout est revenu comme avant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il continue de trade. Hein. En vrai, trade ça me donne des cadavres, du coup ça permet de continuer à faire des invocations. Et ben ouais. Hein. Vous voyez là, en fait il avait genre, c'était quoi, 5 x 6, c'est 30 dégâts. Genre il a 30 dégâts, il en a rien balancé sur moi. Il a tout balancé dans des petites créatures qui en plus se réinvoquent. Et du coup genre j'ai le même board qu'avant. Hein. Et j'ai les mêmes HP. Genre là il est bon à recaler une baston. Hein. Ouais, je pourrais ça en statu quo, hein. Parce que bon, ça va continuer à invoquer des invocations en boucle. J'ai pas forcément besoin de claquer plus de ressources, hein. Ok, du coup, il va découvrir un sort. Et ce sort va coûter 3 mana de moins. Ah, tiens. Ça, c'est une nouvelle genre de créature, les titans. En gros, ils ont 3 capacités, mais ils peuvent... Ils peuvent pas attaquer tant qu'ils ont des capacités. Hein. Et chaque tour, ils peuvent claquer une de leurs capacités. Là, on peut voir les capacités. C'est plus 2, plus 2 et tu pioches une arme. Plus 5 attaques et le héros gagne plus 5 attaques durant ce tour. Ou plus 5 PV et le héros gagne 5 d'armure. Ça, est-ce que j'ai un moyen de le gérer de manière efficace? Je pense que ça va être ceci. Hop là, tous ces créas. Continue à lui rentrer des damage, à faire des invocations. Il a attaqué. Oui, parce que. Ah oui, parce qu'il a un effet passif. Il a un effet passif que quand il utilise une de ses capacités, il devient immune, il gagne immune, hein, il devient insensible. Et il attaque un serviteur adverse aléatoire. Du coup, bon. Ouais, c'est vrai que lui, il est spécial parce qu'il attaque quand il utilise une de ses capacités. Mais voilà, normalement, justement, tant que t'as des capacités, t'attaques pas. Bah là, franchement... C'est vrai que ce sont seulement des 2-1 comparé à avant, ben, je continue comme ça. Hein. Moi je continue en fait à agresser, en fait sans jouer de cartes, je continue à mettre des vagues d'agression. Du coup bon, ça me sert à quoi? Ça détruit tous les sorts qui coûtent 1 mana. C'est un truc anti-druide, mais bon, vu que je joue pas druide. Oh! Ouais, trop bien, je l'ai pioché! Du coup je peux proc mes effets. Après ça, faudrait le tuer de préférence, mais... Cast 6. Hop là. Et lui qui me fait piocher 3 cartes. Ah, ça c'est quand même gros. Ça fait mal. Est-ce que j'ai un moyen de le gérer efficacement ou... En fait, je pense que ça va juste être ceci. Ça a rempli mon plateau de mort-vivant aléatoire. Oh non, mais ça va être ultra lent parce que j'ai ça. Après que j'invoque un mort-vivant, ça lui donne poison. C'est excellent, hein. Dans cette situation, c'est vraiment excellent. Mais n'empêche, voilà, on rempiche un peu, hein. C'est lent, là, tout ça. Ça, c'est très intéressant. Ouh, ça c'est vraiment cool. C'est ça qui permet de, quand un serviteur allié meurt, j'en mets une copie qui coûte 1 mana dans mon deck.
il gagne 8 d'armure. Ah, il va faire la OE là. À 5 mana. Et pourquoi il a d'abord fait le trade? Enfin, il m'a juste donné, du coup, il m'a donné une copie du scarabée dans mon deck qui coûte 1 mana. Vous voyez? J'ai ça pour 1 mana. je peux faire Alexstrasza. Si j'ai pas de carte en double, j'obtiens 2 dragons aléatoires qui coûtent 0 mana. Du coup, voilà, ça me fait, ça permet de poser un gros board. Et quand lui, il est invoqué, il invoque 2 œufs. Qui au prochain tour se transforme en 4-4 avec Rué, mais. Ok. Il bute lui. Après, oui, ils vont se transformer en 4-4, ça va permettre de tuer le Renatal. Ça, je dépense un maximum de 10 cadavres et j'invoque un XX, X étant le nombre de cadavres que j'ai dépensé. Du coup là ça va faire hop là une 10-10. Et lui ça permet de découvrir deux sorts. Est-ce que j'ai des râles d'agonie qui peuvent être intéressants par rapport à ça? Parce que j'ai plutôt prendre Blue Trap. Je découvre un sort et si j'ai dépensé tous mes manas en le jouant. Vous voyez, comme ici, là, j'ai 0 mana. Je découvre un second sort. Ah, il a top deck baston. Après, ça laisse quand même, du coup, 2 créas. Et ça me donne des cadavres. C'est vrai qu'il y a 24 dégâts. ...25 dégâts et 7, 16 ventes. Ouais, what the fuck. 7, 16 ventes. Oh là 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 là. J'ai dépensé 59 cadavres. Lui, dès qu'il va gagner de l'armure, il va gagner autant d'attaque. Mais là, vous allez voir un truc, hein. Ce sera très triste, mais... Hop là, voilà. Vous voyez, là, j'ai une capacité, je peux... Bon là bien évidemment il vient d'être invoqué du coup normalement il peut pas attaquer. Mais là je clique, je choisis une des 3 capacités. Je détruis un serviteur adverse et lui et mon héros gagnent autant de points de vie que le serviteur ciblé à 2 PV. Mais c'est je gagne autant de points de vie, c'est pas je me soigne d'autant de PV. Du coup genre mon maximum de points de vie a été augmenté de 14. Du coup là où normalement avec Renatal je commence à 35 PV. Hein, là, je suis à 49 PV max. Vous allez voir là, prochain tour, il peut pas attaquer, mais. J'ai presque envie de qu'il puisse clean mon board pour invoquer mes 7 16 ventes. Vous voyez là, hop, je peux pas attaquer, mais par contre, je peux activer une de ses capacités. Ah merde, c'est Fontel. Voilà, je coupe la sonnerie. Excusez-moi. Bam. Les 16 ventes. 28 dégâts et 7 16 ventes. C'est n'importe quoi. Normalement ce sort n'est pas aussi fort. Oh. Je vais le dire. Mais. D'ailleurs maintenant il y a aussi des succès sur Hearthstone. Hein. Allez. Les critiques 8 every number at 7 or more. Ah oui, mais là c'était vraiment bien plus que 7. Hein. Ah, il y a des succès du coup sur les différents modes de jeu. Sur ça c'est la progression dans le jeu. Genre quel rang tu as atteint ou quel niveau tu as atteint avec les personnages. Ça c'est des petites quêtes à faire avec des cartes de plusieurs extensions.
la collection, hein, avoir toutes les cartes du jeu. Aventure, du coup, c'est ouais, c'est des modes solo. Voilà. Veux-tu des gars, je vais des 16-28. Ah ça, avec la petite musique comme ça. Le pouvoir du métal. C'est, en fait, c'est un peu overkill, c'est vraiment genre... la carte, c'est un peu quand t'as gagné, hein, tu vois, c'est quand tu es bien dans ta partie et que t'as réussi à proc toutes tes synergies, t'as le gros sort ultra, ultra balèze. Mais, c'est fun. Oh, j'ai des attributs sur mon départ, trop bien. Je pense que je vais garder ces deux-là et retirer les deux autres. Nénatrius, du coup, une fuse, c'est quand tes serviteurs meurent alors que t'as la carte en main, ça proc une fuse. Hein. Du coup, lui, il a une fuse à l'infini. Deux, du coup, quand deux serviteurs, ça proc son effet, ça inflige un dégât de plus. Hein. Du coup, il commence à 5 dégâts. Du coup, deux serviteurs meurent, il passe à 6 dégâts. Deux autres serviteurs meurent, il passe à 7 dégâts. Deux autres serviteurs meurent, il passe à 8 dégâts. Hein. Et bon... Et ça fonctionne bien aussi avec du coup les synergies de cadavres, hein, où nous voulons qu'un maximum de serviteurs meurent pour pouvoir proc nos sorts et nos effets. Ah ça, c'est un deck typiquement fun avec plein de petites synergies comme ça, mais quand t'arrives à tout mettre en place, jamais je retouche à ce jeu. Ah ça c'est une vieille carte, après je pense que tu l'as pas connu, mais ça donne un tour supplémentaire. En gros son but c'est, il va jouer un truc, tu vois, il va jouer son sort qui donne un tour supplémentaire. Puis il va jouer des invocations qui permettent de rejouer le sort qui donne un tour supplémentaire. Et en gros en fait il me laisse pas jouer. C'est très fun, hein. Enfin c'est un fun à sens unique quoi, mais... Et en plus bah ça a toujours bloc de glace, hein. Toujours pour plus de fun, hein. Bon bah je vais jouer lui, j'ai rien d'autre à faire, hein. Non, pas connu, moi je sais, Goblin et Gnome c'était au tout début. Ça c'est venu, quoi, 2 ans après, je pense. Les quêtes. Du coup, t'as une condition pour accomplir la quête et quand tu l'accomplis, hop là, t'obtiens la carte. Oh, Plague Strike, c'est pas mal. Bon, là, l'idée, c'est je vais faire ça. Lui, tu vois, ça invoque une 1-1 charge, mais qui meurt à la fin de mon tour. Hein. Et Plague Strike, c'est j'inflige 3 dégâts à un serviteur, et si ça le tue, j'invoque une 2-2 zombie. Hein. L'idée, c'est justement que là, vu que ma petite goule va forcément mourir, autant l'utiliser pour invoquer une 2-2. Bon, le gars est un peu relou parce qu'il contrôle et que j'ai rien vraiment à faire, mais... Le Scorpid, ok. Ça permet de découvrir un sort. J'aime bien ce score. Le fléau. Le fléau mort-vivant. Bon, là, franchement, normalement, c'est le plan de jeu course contre la montre, hein, parce que, bon, une fois qu'il qu'il a sa combo et qu'il fait des tours infinis, j'ai perdu. Honnêtement, je pense que dans je ne peux pas gagner. Hein. Honnêtement, je ne vois pas comment je peux gagner. Parce que tout simplement, moi je suis un deck, vous voyez, qui est un peu sur le long terme. Hein. Genre au début, je fais pas grand chose. Mais par contre, si j'ai le temps de proc toutes mes synergies et mes combos, là je vais faire des trucs. Mais bon, du coup, un plan de jeu un peu course contre la montre. Par contre, en vrai, je peux peut-être casser ces combos avec Teotar. Oh oh. C'est pas mal. Bon, je vais prendre un sort aléatoire, vu qu'aucun des sorts m'intéresse. Ça, c'est pas ouf, parce que j'ai déjà une main pleine, en fait. Est-ce que je le fais quand même? Je vais overdraw une carte, mais... Ah non, oh, je pioche ça. Oh, c'est très bien. Mon petit top deck. Là, je fais piocher les deux...
les deux joueurs de deux cartes, mais lui, il ne peut pas jouer ses cartes qu'il a piochées avec ce sort au prochain tour. Ah, mon téléphone. Ça me permet ainsi d'avancer dans mon deck pour peu de mana. Je pioche pour pas cher. Bon, lui, il pioche ses secrets. Le truc, c'est que là, il a sûrement une objection qui va... Objection, c'est comme un contre-sort, mais pour les créatures. Ce qui est bien, c'est que j'ai des cartes comme Renatal qui n'ont pas forcément d'effet, du coup, je m'en fous s'il les contre. Il va jouer son Ice Block. Après, le truc, c'est que s'il joue en fait Ice Block, il peut se prendre potentiellement un Zephyr qui a cassé son secret. Ah, il va jouer Ice Block. Bon là l'idée c'est, hop là, que je me fasse contrer lui. Comme je l'ai dit. Je vais le sacrifier, le but c'est aussi un peu vider ma main. Parce que bon j'ai des cartes qu'il faut piocher comme lui. J'attendrai qu'il ait son sort qui permet de gagner un tour supplémentaire pour essayer de lui voler. Avec des cartes comme Théotard. Ou alors je peux essayer de buter des créatures qui permettent de jouer ce sort en boucle. Avec des cartes comme Mutanus ou Patchwork. Le recousu, mais il faut que je les pioche. Là l'objection je sais qu'elle est déjà partie, du coup je peux jouer lui. Je vais faire, je vogue 2-3-3. Qui auront provocation et réincarnation. Et je découvre un sort vert, enfin rune verte. Parce que bon, lui, du coup, après que j'ai casté une de ses capacités, je découvre un sort de la couleur de la capacité choisie. Vous voyez. Là, ce qui est bien, c'est que si ça force une AOE, mais ça va réinvoquer quand même mes créatures. Qui va pouvoir tuer, mais ça va forcer à utiliser des ressources, quoi. Franchement, je peux faire le fléau, hein. J'ai une créature en bois parce que bon, y a lui qui prend une place, mais ça permet de mettre immédiatement un gros board. Ouah, le roi Lich! Il m'a donné une carte, du coup je vais vendre une carte. Je m'y attendais pas, mais en soi c'est pas mauvais, c'est quand même une grosse créa. Par contre, j'ai quand même eu pas mal de petites merdes. Hein. Sergent Sally, la petite 1-2, la petite 2-3. Bah, le voir, le truc c'est que je joue pas beaucoup de boucliers divins, du coup ça sert pas à grand chose. Ah, et ça. Ah oui, ça qui est passé à haut d'ennemi milieu. Oh! Attends, je vais pouvoir peut-être voler son sort. Allez. Attends, je peux brad avant. L'idée c'est comme ça, je vais proc deux fois son effet. Comme ça j'ai vraiment beaucoup de chance de voler son sort. Bon, je vais pique Yogg-Saron. Je vais lui donner enfin, c'est vraiment pas ouf là ce que je lui donne. Je vais lui donner Zola. Et... Oh let's go. Je lui donne un tombe gardien, je lui donne la pioche. La pioche, j'en ai pas besoin maintenant, mais ça pourrait vraiment m'être utile plus tard. Je pense que je lui donne un tombe gardien. Oh, let's go, je l'ai chopé. Bon, avoir perdu Zola, ça m'énerve un peu. Par contre, je vais être mute. Zola qui permet en fait de gagner des copies d'un serviteur allié. Hein. Genre avec Brad, ça permet d'avoir, imaginons, deux Brad ou deux Théotard de plus. Et bon là je les pique Yogg-Saron qui est un de ses gros serviteurs, je les pique son spell qui est un peu la base de son deck. C'est vraiment excellent. Il a de quoi le tuer. Ah dommage. Après il proc pas la brutalité, du coup il a pas la 5-5. Bon, et là il a joué sa Zola ainsi. Il y a lui qui continue de proc. Je pense qu'un truc que j'aime bien c'est pour ceci. Hop là. Comme ça, prochain tour. Hop là, c'est encore moi. Ça permet de continuer à dupliquer eux. Voyez. Là j'ai deux créatures de plus. Du coup je passe à ces créatures.
coup j'ai pas trop la place. On peut faire ceci pour me soigner. Et hop là, utiliser ça pour découvrir un sort. Ça c'est vraiment pas mal hein, comme carte. Hop là. Prendre ceci, ça me dépense 3 corps pour donner plus en plus à l'arme. Et là il a FF. Let's go. Eh le deck franchement je m'attendais pas s'il si gagne comme ça hein. Moi je suis content hein. Ah bon. Oh, oh let's go, il va m'insulter. Je vais lui dire GG. Bon hop là. Eh franchement je le valide hein.